Last night, a killer died. Where the hell did that go? His body was laid to rest. But his soul... That's impossible. ...has come online. This is gonna be fun, Terry. Who is this? I'm killing your friends. Looks like there's someone else in here with us. The killer died in this hospital. And it was plugged into your computer. Something is coming after my son and my friends. There's no way anyone can kill somebody with a computer. Shred him. The board is up. He's not in the computer. You can't run, you can't hide, you can't win. Ghost in the Machine. Plug in to your worst nightmare. Rachel Talalay est une productrice notamment de deux films de John Waters, Hairspray en 1988 et Cry Baby en 1990. Elle est également réalisatrice et son premier long métrage est La fin de Freddy, l'ultime cauchemar, le sixième épisode de la saga Freddy, Les Griffes de la Nuit, contenant des images 3D, dont elle avait coproduit les épisodes 3 et 4. À la suite de ce film, elle réalise Ghost in the Machine, le tueur du futur. Ce film parle d'un tueur en série qui a pour principe de tuer tous les contacts inscrits sur le carnet d'adresse d'Europée à ses victimes. Ce dernier meurt lors d'une auscultation dans un appareil IRM. Suite à un accident de voiture, son âme est transférée dans le réseau informatique et électrique. Il va alors poursuivre ses actes meurtriers du carnet d'adresse de Terry et son fils Joss, dont il a subtilisé le carnet d'adresse qui a été numérisé. Avec l'aide d'un pirate informatique, la mère et son fils vont tenter d'arrêter le tueur. Au début des années 90, Internet, ici appelé Datanet, en était à ses débuts, et la réalité virtuelle était promue à un avenir ambitieux. Rachel Talalay veut donc surfer sur une vague technologique en plein essor, comme ce fut le cas à l'époque sur la 3D de son Freddy 6. Elle va intelligemment pointer du doigt les effets négatifs et néfastes de l'informatique, un peu comme dans Terminator à moindre mesure, en dénonçant les dérives de la robotisation. Même si un peu daté de nos jours, les modélisations des images de réalité virtuelle ont fait leur petit effet à cette époque, mais ont été très rapidement démodées. Elle était fortement influencée par le succès du film Le Cobaye, réalisé un an plus tôt par Brett Leonard, et par Souvenir de l'au-delà, la même année par le même réalisateur, intégrant également des séquences de réalité virtuelle. Talalay s'inspire également de films, également de l'époque, fin 80 et début 90, avec des tueurs en série dont leur âme est enfermée dans une enveloppe non humaine et qui continuent malgré tout leurs actes sanglants, tels Chucky dans Jeux d'enfants de Tom Holland et de ses suites. Ce film n'a pas du tout fonctionné à sa sortie cinéma, notamment du fait que 2 ans auparavant, Terminator 2 avait marqué encore de nos jours les esprits avec ses effets spéciaux et qu'il était difficile pour Ghost in the Machine de rivaliser avec la fluidité du T-1000. Mais malgré cela, on sent l'ambition de la réalisatrice d'en mettre plein la vue, d'être innovante, et sa réalisation, notamment dans certains plans où l'on suit la propagation de l'âme électrique du tueur, est plutôt bien pensée et intéressante. Les meurtres sont également assez imaginatifs, et c'est très captivant de voir le tueur intégrer différents appareils électriques tels un micro-ondes ou un lave-vaisselle. Et un peu à la manière de Destination Finale, nous observons les accumulations de menaces électriques qui vont permettre au tueur d'achever ses victimes. La mise en scène de la réalisatrice est originale, notamment sur des gros plans où on entre à travers les appareils électriques et les prises murales en vision subjective, et sur certains plans séquences,
très intelligent. C'est une série B qui est marquée par son époque et qui mériterait d'être remis au goût du jour. Côté casting, nous retrouvons Karen Allen, Marion dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue de Steven Spielberg et que l'on verra notamment dans Phantom en fête de Richard Donner. Il y a également Chris Mulkey que l'on a vu dans Twin Peaks ou bien dans The Hidden. N'oublie pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et à bientôt sur l'Entre du Ciné.